assez persuadé que le rôle d'un fonds de dotation comme le nôtre, c'est de démystifier l'handicap. Et quoi de plus logique de permettre à des gamins de monter sur un fauteuil. Ça, c'est des opérations que nous faisons jour de match. Et c'est la même chose sur les adultes, au travers du public entreprise. C'est sympa de travailler la sensibilisation des entreprises, des salariés, du grand public hein, sur le sujet du handicap par le biais d'événements un peu ludiques. Ça nous permet de se mettre vraiment à la place de personnes en situation de handicap. J'ai ressenti que mon âme de compétiteur ressortait. J'étais un carton jaune. On a gagné, donc c'est le principal. Je pense que c'est tout grâce à tous ces petits événements, ces moments d'échange, de partage qui changent un peu la vision de l'handicap. 3 secondes, Schumacher prêt à repartir. Déjà l'ambiance est sympa. Bon, nous on est nuls, là on est dernier là, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est des moments importants dans la vie. C'est choquant quand on a un accident, qu'on se retrouve avec je sais pas, la perte de l'usage des jambes ou autre. Le sport peut aider à retrouver de la confiance en soi, de la dignité s'il en faut, et réintégrer le social, et ça c'est vachement important. Années qu'on milite sur faire évoluer le regard de la société sur le handicap et sur les personnes handicapées. Être accompagné par un géant du monde du rugby sur ce genre d'action, pour nous, c'est quand même quelque chose qui est assez génial, quoi.